ليس الهادي إلا هو. 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 Pour montrer la puissance de la foi, il ne suffit pas de se transpercer le visage de part en part à travers les joues avec cette arme. Il faut aller plus loin, faire quelque chose de plus fort que cela. Et cette fois-ci, c'est le cheikh lui-même qui va prendre en main ses armes et les enfoncer à coups de maillet dans la gorge de ses fidèles. Une goutte de sang est apparue sur la joue d'un des derviches. Il faut l'enlever, on l'enlève par une passe magique en invoquant de nouveau le nom d'Allah. À 1000 kilomètres de là, voici d'autres derviches clandestins, les plus tragiquement déchaînés qu'il m'ait été permis de contempler. Ils sont un millier de paysans misérables, entassés dans cette petite crypte perdue au milieu de la steppe, et sans aucun ordre, sans chef spirituel capable de les guider, ils réalisent dans l'atmosphère enfumée par mes torches de magnésium une véritable danse de démons. On devine quel danger représente pour une nation moderne ce fanatisme aveugle et exacerbé, ce fanatisme qui n'est explicable que par la profonde misère de ces hommes. Cela explique que le gouvernement du général Gürsel se soit donné pour première tâche d'y mettre le holà.